Ce serait le combat d'éradiquer la pauvreté. 10 millions de personnes vivent avec moins de 1063 euros par mois. 300 000 sans domicile fixe, une partie dort dehors avec des enfants. Mon combat, c'est de permettre à toutes ces personnes d'avoir un toit et que ce logement soit digne, salubre, qu'elles puissent manger à leur faim et de bons produits, qu'elles puissent se soigner afin d'être en bonne santé. Cela passe par une politique de construction de logements et d'éradication de passoires thermiques. Cela passe également par une augmentation du reste à vivre avec toutes nos mesures sociales sur le pouvoir d'achat. Cela passe enfin par une sécurité sociale intégrale qui rembourse 100% des soins prescrits. Victor Hugo disait « C'est de l'enfer des pauvres qu'est fait le paradis des riches. Nos riches coûtent trop cher et le prix à payer devient insupportable. » Mon combat commencera par le juste partage des richesses produites, revoir la fiscalité pour que l'État soit réellement redistributeur. Mon combat se poursuivra via l'école de la République avec ses moyens en réponse aux besoins, seule garantie pour l'émancipation de toutes et de tous. Enfin, mon combat sera gagné quand toutes ces personnes accéderont à l'art et à la culture. Avec la NUPES, un autre monde est toujours possible.